C'est l'une des dernières arrivées, Sibylle, petite chatte abandonnée, recueillie et soignée par l'association. Ces dernières semaines, les demandes de prise en charge se multiplient. On est arrivé à un stade historique où on refuse entre 20 et 40 prises en charge par jour. On a des citoyens qui nous appellent parce qu'ils voient des chats abandonnés dans leur jardin, qui ont fait déporter. On a des gens qui veulent liquider leurs propres chats. On a la police qui nous appelle, par exemple, suite à des décès. On a de tout, en fait. Actuellement, Evricat s'occupe de plus de 280 chats. Une trentaine sont hébergés dans les locaux de l'association, les caves de la maison familiale. Les autres sont placés dans des familles d'accueil en attente d'adoption et elles sont moins nombreuses pendant les vacances. Selon les chiffres de la région, le nombre d'animaux abandonnés dans les refuges a diminué de 40% entre 2019 et 2022. Mais ici, on ne constate pas cette tendance, au contraire. Déjà l'année passée, on était, euh, on était sur les genoux l'année passée, on se disait on ne va pas s'en sortir. Mais quand je compare le nombre, le, le nombre de, de demandes, de prises en charge comparées à l'année passée, c'est minimum x3 cette année. Et comment expliquez-vous ce phénomène J'en sais rien. Je, aucune idée. Euh, le je m'en foutisme du citoyen qui, qui se procure un chaton chez, chez le voisin, chez le copain, chez le cousin, parce que bah, le chaton, bah, voilà, ça ne prend pas de place. Et aux premières chaleurs, on va le mettre dehors. Et puis bah, ces animaux vont, vont partir à droite, à gauche, vont proliférer. Et puis nous, on nous appelle quand c'est des situations dramatiques. Il y a 40 chats qui se sont reproduits. La stérilisation des chats est pourtant obligatoire, mais elle est loin d'être généralisée. Alors l'association lance un cri d'alarme, les subsides qu'elle reçoit ne lui permettent plus d'assurer ses missions, et elle demande un plus grand soutien des pouvoirs publics.